Et salut tout le monde et bienvenue, je suis LinkLeguise pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Aussi bien que moi pour la suite de l'aventure Kingdom Hearts, on se retrouve là où on s'est quitté, c'est-à-dire juste à côté du dernier point de sauvegarde. Et on rappelle, objectif toujours et encore, et encore, et encore, et encore, remonter la montagne pour retourner voir Elsa, parce que ça fait quand même deux fois qu'on tombe. Enfin, du moins deux fois qu'on nous envoie en bas. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça tomber? Non, c'est on nous fait tomber. Donc au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Mais en vrai, ce monde est tellement stylé. Comme je dis, le moteur du jeu rend tellement bien sur cet univers-là. Et ça, c'était quand même très très cool. Et du coup, je me demande, si on fait grossir la boule de neige, est-ce qu'on a un coffre, enfin un cadeau plus gros quand on l'a fait péter? On se pose des questions. Hein. J'aime Glacial. En vrai, je me pose vraiment la question, puisque sur les dernières boules, enfin les boules du dernier épisode, les boules de neige qu'on a fait rouler, que j'ai pété quasiment de suite, c'était juste des petits trucs de glace qu'on récupérait. Et là, c'est une gemme de glace. Donc est-ce que c'est le hasard? Ou est-ce que vraiment faut faire rouler des trucs le plus possible pour avoir de meilleurs objets? Ah, trop tard, j'ai sauté. L'emblème, on verra plus tard. Ah oui, les emblèmes, je rappelle, c'est que je le dis pas forcément tout le temps, mais je sais que j'en ai croisé, on en a raté, entre guillemets, plein. Mais je ne cherche pas à les récupérer pour l'instant. On se fera des épisodes de bonus en fin d'aventure pour récupérer tout ça. Ne vous en faites pas, ça viendra. Oula. Ça t'est pas du tout visé, ça. Tac. Rien de plus? Non, rien de plus. Mais du coup, si on doit remonter... Pourquoi on descend si on doit monter voir Elsa? Ok, heureusement j'ai eu l'onde de choc à pu le casser. De l'orichalc. C'est très très bon ça. Alors ça va être l'occasion, tiens. Voilà, on va la faire pas rouler. Éclat glacial. Et si on la fait rouler. Ah, il y a des simili là. Eh, c'est vrai qu'on avait croisé. J'ai oublié comment elle s'appelle. La blonde psychopathe. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Allez, le level 30. Et j'aime glacial. Donc oui, plus on fait rouler la boule de neige, et plus on a de bons objets. Ok, c'est très bon à savoir. Ça, c'est par contre la bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire que au moins pour les éclats de glace, et enfin, du moins les matos de craft de glace, de toute façon, c'était assez sûr qu'on reviendrait ici pour les farmer si besoin est. Mais si en plus on a la technique des boules de neige, j'avoue que c'est quand même très très cool. Oh, cinématique. Hey, that's Elsa. But who's that guy? It could be somebody from Arendelle who came up here to help her. Don't think so. That doesn't look like help to me. Oh, no! Darkness? Let's move! J'avoue, j'ai pas fait attention à ce qu'ils ont remarqué. Ils ont remarqué un truc et ça leur dit « Oh mon dieu, les ténèbres !» Mais j'ai pas fait attention. Il y avait un symbole, quelque chose? Peut-être, bon. J'ai pas fait attention, c'est pas grave. Allez, on fait du ménage. Si le jeu veut bien. Si, du moins, le jeu veut bien me laisser attaquer du mob. Allez, on va faire un maximum de dégâts avant de lancer les griffes, bien évidemment. Je préfère le claquer le plus tard possible.
Bon, d'accord. Vous m'énervez. On va rentrer dans le tas. On va rentrer dans le vif du sujet, comme on dit. Allez, ça bouffe. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mini-machin? Très bien. Alors donc là, il y a Sanker et Simili. Hein. Il y en a pour tout le monde. Cherchez pas, ils sont tous là. Le level 30 pour Dingo, ça c'est cool. J'aimerais bien gérer cela en premier. Hop, on passe en mode yo-yo. J'ai failli rater la barre d'ailleurs, hein, je l'ai vu au dernier moment. Oh, mais ce yo-yo est tellement puissant en vrai. Et le pire c'est qu'on pourrait faire plus puissant, mais le truc c'est qu'il faudrait que j'améliore les Keyblades. Mais j'ai pas envie d'améliorer une Keyblade si dans un monde on la change et qu'au final je l'utilise plus quoi, vous voyez ce que je veux dire. Je trouverais ça un peu chiant, et vous savez à quel point je suis radin. dans un jeu vidéo, quand il s'agit d'améliorer des choses, je veux améliorer que ce qui est nécessaire et pas des trucs qui vont changer. C'est de la logique hein, pour moi, c'est voilà, je vois pas l'intérêt d'améliorer une arme si dans deux levels je l'utilise plus. Donc on va voir, une fois qu'on aura bien avancé, qu'on aura plein de Keyblades, que je choisirai celle que j'utiliserai, là je commencerai à améliorer. Il y a quelque chose de dit qu'ils sont pas passés par là. Ah! Him again? Hey, you better not have hurt our friends. J'en étais sûr. Hey, wait up! Are you looking for Elsa too? Whoa! Easy! Do you want to save her from the bad guy? We're on the same side. Elsa. I guess all we ever wanted to do was keep Elsa safe. Hey, we should team up, big guy. Come on, we want to help her too. Why not? So, what do you say? One great thing about Sora, he can always make friends with anybody. Tellement. Donald, Goofy, come on. J'ai envie de dire, il peut surtout devenir ami avec n'importe quoi aussi. Pas seulement n'importe qui. Allez, on va se mettre un petit soin histoire d'être bien. Et du coup, donc lui, il venait de là-bas. Oh. Bon ben, excusez-moi, mais il y en a qui veulent négocier. Tu lances pas ta magie, toi. Je t'ai vu la préparer de loin. Hein. On t'a tous vu. Non, mais la côte d'esprit. Level 30, magie plus, PC max plus et dernière force. Dernière force, ça c'est très très cool. Dernière fois, si je me souviens bien, alors je confonds peut-être, mais il me semble que c'est le truc qui permet de rester à 1 PV quand on se prend une attaque qui devrait nous tuer. Il me semble que c'est ça. De toute façon, on ira bien voir après le combat. Ne vous inquiétez pas. Allez, ils sont tous paquets, là on va lancer ça, ça fera des dégâts bonus. Ah mais les dégâts que ça met. Quand je vois les dégâts qu'on met, alors que mes keyblades sont pas améliorés. Qu'est-ce que ça va être quand t'as mon lac. Et c'est vrai que je me suis fait une réflexion, enfin rien à voir je pense à ça, mais je me suis fait une réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, c'est avant que je reprenne le tournage de l'épisode précédent. On n'a pas vu de personnages de Final Fantasy en vrai. Parce que à la base les Kingdom Hearts c'est quand même Disney, on est d'accord. Mais il y a aussi beaucoup de personnages de Final Fantasy. Et là, j'ai pas l'impression qu'on en ait vu. En tout cas, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Avalanche puissante. Oh. Ok, donc ça, c'est ce qui nous faisait en combat.
Oh, il peut enchaîner. Oh, il peut enchaîner en plus. Très bien. Et le coup de grâce, c'est quoi? Ok. J'ai très hâte d'utiliser ça en combat. Mais du coup, ouais, c'est une réflexion que je me suis fait et... Maintenant que j'y pense, c'est quand même un peu dommage, quoi. Enfin, Cash, ça a toujours été ça, hein. Rappelez-vous, dès le premier Kingdom Hearts, parmi les premiers personnages qu'on rencontre, bah, y a Tidus, il y a Waka, il y a sa Selfie. Un peu après, on rencontre Squall, Aerith, Yuffie, Cid. Encore après, on rencontre Cloud. Oui, bon, je sais que c'est pas par là. Bon, tant pis. Je voulais visiter, mais bon. Le jeu ne veut pas que je visite. Du coup, ouais, je trouve ça dommage, en vrai. Je trouve ça très dommage. C'est uniquement concentré sur Disney. Bon, après, c'est cool aussi, hein, mais du coup, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout le monde, là? Qu'est-ce que... Je trouve ça un peu chiant, mais bon. Un peu... Même en dehors de Netflix, c'est un peu chiant. C'est un peu con, en fait. C'est bonjour, en fait, on n'est plus là. C'est voilà. On sait pas pourquoi, mais on n'est plus là. Pierre nébuleuse. Oh. Ça, c'est cool. Ça aussi, on récupère. S'il peut y avoir des items, je ne dis pas non. Mais je pense que d'ici la fin de l'épisode... Enfin, après avoir fini cet épisode-là, j'irai voir dans le... Dans le carnet de Jiminy, voir si il y a les personnages de FF en fait. Parce que comme je dis, je pense pas les avoir vus, mais je suis pas sûr. Donc je veux pas dire de conneries, mais voilà. Après, j'imagine que bah, à l'heure actuelle, les Final Fantasy, c'est ça parle beaucoup moins au jeune public que Disney, on est d'accord. Mais bon, à la base, c'est aussi Square Enix quoi, donc. Squaresoft puis Square Enix. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage si c'est le cas. Donc on verra bien. Vous aurez la réponse de ma vérification soit en fin d'épisode, soit dans l'épisode prochain. Donc on verra bien. Et comme je dis, des persos FF, il y en a eu dans tous les Kingdom Hearts. Hein. Enfin, vraiment tous. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Guimov qui s'appelle. Il passe sur le level 31. Il me semble que c'est Guimov. Bon. Bon, on va pas faire l'avalanche puissante pour un mob qui en plus est mort. Bon. Oh, save et Mog. Or si, oui, il y a les Mog, c'est vrai. Bon, après... C'est bon, hein, on est content de vivre les Mog, mais bon... Enfin, sauf les Mog de FF14, mais... On va juste donner les items. J'aime affamer. Éclat glacial. Éclat grondant. Pierre vibrante. Et on est bon. On est bon. Pareil, les photos des Mog, je les ferai plus tard. Ne vous inquiétez pas. Ça se fera. Stop it! Put me down! That's Kristoff! Do me a favor and wait here. If you come along, Kristoff might freak out. No, Sven, we're not going back. She's with her true love. Kristoff! Sora. You all right? Yeah, I'm fine. I'm glad you guys are safe. Where'd Anna go? She's back at home. Huh? Something happened? Anna was struck in the heart by Elsa's ice magic. If the ice isn't removed, she'll freeze forever. Only an act of true love can thaw a frozen heart. So I took her back to Arendelle and her true love, Hans. But
What about you? Hmm? What about me? I sort of assumed you guys were... No! I just keep her from getting lost. Mm-hmm. Really? Oh, but you seem so... Perfect together. Yeah, that would be a daisy. What? Ça, c'est pas bon, c'est... Anna. Oh. Elsa. Is that where Elsa is? Elsa and Anna might both need our help. Let's go! Allez, c'est parti! Storm's getting worse. Oh, on s'en fout. Must be some place we can use as shelter. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, on attend. Ah, par contre, Guimauve, là, je m'en fous, j'y vais. Débrouillez-vous. Non, je... Non, 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 c'est chiant. Hop là. T'as de la bouffe. Non, non, c'est chiant. Non, reviens. Je... Ah, tout ça pour de la bouffe. Quelle idée. Ah, mais il y avait un truc, là. Allez, allez, celui-là, on peut le choper. On peut le choper. Non, non, oui, non, non, non. Non, c'est chiant. Allez, allez, allez. Non, 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 bah non, non, bah c'est très chiant. Je grid. Je grid et j'y arrive pas. Allez, on peut le tenter, on peut le tenter. Je pense que ça s'entend à quel point je martyrise ma manette ou pas. Je suis pas certain. Bon, j'ai compris. On va y aller tranquillement. Le jeu veut que je prenne mon temps, donc on va prendre notre temps. Voilà. Allez, on y va. On va passer au suivant. Oh, le jeu pas fun, quoi. Oui, bah me pousse pas, tiens, voilà, bien fait. Ouais, on est à l'abri. Et le mec va se mettre dans la tempête. Non, non, non. Ok, je suis coincé, je peux pas bouger. C'est bon, je peux bouger. Il y a quand même des trucs, là. Hein. Allez, on peut le choper, on peut le choper, on peut le choper, on peut le choper. On chope. Il y a un chemin qui monte là-haut, mais je suis quand même tenté d'avancer. Au pire, de toute façon, il faudra que je revienne plus tard pour chercher les coffres que j'ai ratés, etc. Donc, on fera tout en même temps. Oh. Acier Damas. Oh. Autant les photos et compagnie, on ira se les chercher ensemble, c'est pas un souci. Autant les coffres et compagnie, ça je le ferai hors vidéo, très clairement. Ok, guys, the storm's died down. Gorge, I hope Anna and Elsa are okay. Hurry! Ça rend tellement bien. Ouais, quelque chose me dit qu'on va avoir des problèmes à régler.
Oh, c'est quoi ça? T'as l'air extrêmement classe, toi. C'est un loup. Do you really think this will help Anna? I don't know. But we better try something. Watch, get it. Ah, comment t'es arrivé là, toi? Oh, il est tellement stylé. Il me fait penser au... À la tête de... Pardon, la tête de... que Cloud a sur l'épaule, justement. Ou alors le symbole de The Witcher, par exemple, aussi. Il est tellement stylé. Ça l'a pas touché. Très bien. Ah putain, il a calé encore plus haut, hein. Et donc là, techniquement, on est sous le lac, donc. Très bien. Quel... dégâts qu'il met. Je sais pas ce que tu... prépares, mais tiens. Non, 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 oui, c'est bon. On redescend pas. Oulou. Oui, oh, il envoie plein de petits loups. Oh, mais les dégâts. Ouch. Blablabla. Tiens. J'aurais peut-être dû le claquer pour tuer les petits. Potentiellement, c'est ce que j'aurais dû faire, je pense. J'essaie de cibler des trucs, hein, mais c'est chiant. Tout le monde vole et moi non. C'est juste très très chiant. Ouais, il est très très stylé, mais il est très très pas pratique du tout. Thank you. Tiens. C'est comme ça. Ensuite. Tiens. Ouh, ça fait mal, ça. Ensuite, on disait. Bon, il a pas pris si cher que ça avec la transformation des armes. Mais c'est pas grave, il a pris quand même son dégât. Oh là. Oh là, oh là. Waouh. Waouh. Oh shit. Il nous fait un Genki Dama de ténèbres. Quoi, faut survivre, c'est ça? 30 secondes. Vous tuez tout en 30 secondes peut-être. Non, j'ai l'impression que ça repop en plus. Ouais non, il y en a plein qui repop. C'est comme ça qu'on arrête le Genki Dama. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ce style, cette animation, ce... Oh, c'est beaucoup trop classe. Je suis en admiration devant ce boss, en vrai. Il est pas pratique niveau gameplay, mais qu'est-ce qu'il est classe. Alors, un petit soin. Aïe. Aïe, je... Vas-y, t'es coincé.
Ah, il va prendre du dégât là. Ouais, il a commencé à en prendre. Il va se dégager. Et l'avantage des griffes au moins, c'est qu'elles me font voler un peu plus. Bon, pour attaquer, donc c'est plutôt bien. Sur un boss très mobile comme ça, c'est plutôt cool. Le météore. Allez, viens ici, toi. J'aurai pas le yo-yo, je pense. Ah, y'a encore? Oh, trop bien! Refait! Ah, désolé, c'était trop classe. Moi, je veux encore. J'en veux plein. Mais au moins, ça me permet de régénérer ça, les petits mobs. Donc, ça, c'est cool. Ou d'en prendre encore plus dans la gueule, mais ça c'est souvent, c'est pas... Ouais. Le petit brasier synchro. Non, je suis stun. L'impact. You got this. Come on. You're J'en peux plus devant tant de style. Allez, à nous deux. Non, c'est chiant. Allez, transformation. De la Keyblade. Ouais, là, il était bien placé, celui-là. Allez, on attaque la dernière barre de vie. Voilà. Si. Non, non. Ouah. Ah, ça aurait été très très con de mourir maintenant. Allez, le coup final. Voilà, le dernier petit uppercut, là. Super glissade et MP max. Ok. Fait une piccolo. Évidemment. Larxène. Voilà, ça me revient. Love has filled both their hearts with light. Larxène. Two in one world. Definitely didn't see that coming. First Marluxia, now you. What is this all about? Oh, I see. So you bumped into Marluxia. Then why am I explaining this again? I told you before. The new seven hearts. If you mess up,
and don't find your 7 Guardians of Light, we're gonna need another group to fall back on. Leave innocent people out of it! Oh, look at this tough guy, such a big boy now. Well, maybe you should do your job and find the other Guardians of Light. Please, like you found your 13. The king said you're one Seeker of Darkness short. Oh no, we're set. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. They have all 13? Then, if we don't find our 7, they'll go after Elsa and Anna. It'll be okay. They're strong. And now, it's her turn. You're right. They have each other. Anna. Oh, Elsa. You sacrificed yourself for me. I love you. An act of true love will thaw frozen heart. Love will thaw. Love. Elsa? Of course. Love. Faudrait pas sortir du lac avant de le dégeler. Après, je dis ça, je dis rien, c'est juste une proposition, hein, mais. Ah, non, c'est bon. Tout va bien. Et c'est donc la fin du monde d'Arendelle. Ouh, neige cristalline, et on obtient le trophée Un geste d'amour. Non, c'est beau. Keyblade axé sur la magie, comme je m'en doutais. Changement de fang, griffe du blizzard et lame du blizzard. Oh. Oh. Regarde, on a un problème. It's okay. You got here as fast as you could. The organization claims to have their 13 darknesses. Do we believe it's true? I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new 7 hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Well, as the original Princesses of Hearts, time for protecting the pure light has ended. They have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. If the new 7 hearts is what they wish to call them, so be it. But Kairi hasn't passed on her power. Is she one of the new 7? She must be. But still, she chose to wield a Keyblade and fight with us as one of the Guardians of Light. Yeah. We haven't found Kairi yet. Hey, at least we tracked down Ventus. Vanadis told us that he's inside Sora's heart. And so did Ansem the Wise in his data, so it almost certainly must be true. Okay. That's great! Now we can rescue Ven! Maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. La dernière fois qu'on a vu Aqua. We still have to find her first. C'est pas, voilà. C'était pas ouf. I'll go. What?
Is that wise? You need the power of waking, Sora. Do you have it? No. Probably not. Pardon. Without that power, you are not ready to face the realm of darkness. Come on! What's so funny? Sorry. Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half-baked rescue. Yeah! Laugh it up! Sora, huh? I know you're volunteering because you're worried about me and Mickey. Yeah. Well, thanks. But the power of waking's important. You can come to the rescue once you've got that. Sound fair? Yeah. All right. But be safe. No reckless stunts. Yes, sir. Tell us the reckless one. No, not exactly. He just doesn't think. If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku. That would be a good start. Oh, ce mal parler. I'm listening now. Ah, cet amour du mal parler. Very good. Sora will continue his journey to build his powers, while Mickey and Riku will focus on the search for Aqua. Yes, sir! Bonbon. Oh. So why are you back? Nice way to greet your old partner in crime. So, why do you think the old geezer took us back? He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it. Xehanort doesn't care about you or me. To him, we're nothing but empty husks. J'avoue, pourquoi les avoir fait revenir? Was the same. Xehanort needs 13 vessels to hold his essence. Husks? Not me. You up for another coup? Mm-hmm. Oh, please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. What? You're not smart? Well, you heard what Marley said. I don't have to be smart. Or capable, or likable, or attractive. A cereal bowl would make a better vessel. Whoa now, you are way out of line. I am extremely imposing, when I want to be. Which is admittedly almost never. Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? J'avoue, je m'attendais tellement pas à le revoir. Of course not. I got benched. Huh? Syx brought Vexen on board. They must be planning to use replicas. Those wind-up toys? Oh no. The replicas are way more real than you remember. I mean, one stole my spot. Of course it stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har. Vexen's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexen claims the new ones will be human in every way, if he ever finishes them. Oh, the thing is, I kinda told Sora and his nitwits. Ah, donc c'était du bullshit, c'est ça? My bad. Let them believe as much. C'était du bullshit. Très bien. Oh, cette voix. Ugh, Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah, totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. The first 6 members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise. And the 7th and 8th members joined thereafter. The 13th member was Roxas,
a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung? Oh, tiens donc. You're in two? What is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. What important role? That stupid box that Zigbar claims is real, but won't tell us a thing about? Ah, la fameuse boîte. You'll just have to ask Zigbar that. Now then, Xemnas, what is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. What? Huh? Hmm? What? What? L'héritage de... Hein? Nani? What? Le nouveau monde. Ouais, non, mais là, on s'en fout. L'héritage... L'ancien héritage de la Keyblade. What? Ok. Je... Pourquoi pas? Bon. Bon. Du coup, ça veut dire que... On a terminé Arendelle. Donc, il y a deux mondes qui sont apparus. Et il y a là d'avoir une nouvelle bouboule. Je sais pas si je l'ai récupérée, celle-là. Et donc, deux nouveaux mondes. Ah, voilà. Deux nouveaux mondes qu'on fera. La prochaine fois, il y en a un, je pense le reconnaître. Ouais, il y en a un, je pense le reconnaître. On verra bien. Celui de gauche me dit rien. Celui de droite, j'ai une petite idée. Mais bon, on verra bien ça au prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau monde. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao.